Oui, ben, ce jour-là, c'est la course santé que nous avons fait depuis plusieurs mois, tous les vendredis. La course santé qui sont cotées, donc les soignants suspendus, les libéraux suspendus, les, tout le monde qui est en conflit avec l'État, si obligation vaccinale là, nous avons contre dans la course santé qui c'est à CBKCHU. La course santé, je dis là, c'est un spécial à la course santé parce qu'il a fait un lien âge avec les artisans. Qui nous portait faux savant nous. Des artisans qui ont fait tout produit, hein. Produit qui a toute création artisanale. Et ça va permettre également de nous animation à Cibic là, mais également de vendre des trois produits. Et des fois, l'argent parce que vous savez, c'est celle à combattre nous également, qui a consisté à ce qu'il y a réintégré nous, mais surtout qu'il paye nous. Qu'il paye nous, ça y est quoi nous, parce qu'on a bien dit encore une fois. À part parce que nous refusons pour un vaccin, qu'on interdit nous d'exercer ce métier nous. À part parce que nous refusons pour un vaccin, qu'on ne même pas qu'il y ait un vaccin encore, c'est un traitement. Nous avons maintenant aujourd'hui là, c'est que là, on prend 2 fois, on prend 3 fois, on prend 4 fois, on prend 5 fois, on prend autant de ce qu'il faut parce que tous les 10 semaines, soit disant vaccin avec le bord là, il passe et il y a encore. Donc ça veut dire que les gens qui vaccinent ont un vrai problème. C'est pour ça que nous avons mis en position, nous avons refusé pour un vaccin là, ça. Nous avons refusé pour un traitement là, ça. Nous avons refusé de participer à l'expérience là, quand nous avons fait si homme, si femme, si petit monde, si femme enceinte, ce n'est pas possible, c'est un crime. Et donc, la Cour santé, c'est un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, de débat, de discussion. C'est une question de santé. Santé alternative, mais également c'est l'organisation de la santé, c'est prise en charge à corps, qui je nous reprends encore nous en main. Et nous avons, nous avons ni kiné, nous avons ni ergothérapeute, nous ni médecin, nous ni infirmier qui a, bien évidemment, contre par les peuples, si le problème de santé qui est pétiné. Ça aussi, il faut savoir également, la course santé, c'est tous les mardis soir, quand il y a des débats, comme on dit, passer le fond débat avec Raymond Gama, c'est porter politique, on lit considère. Qui gens on les considère qu'ils ont été appelés Guadeloupéens, doivent être appelés tout le monde en Guadeloupe. Si le rôle que nous jouons dans le pays, considère. Nous sommes également mercredi, nous sommes tous les mercredis soir, nous sommes en chorégraphe Guadeloupéen, Madame Moutou, qui a fait une donc ben nous, on dit bonne détente. Okay? Et donc c'est comme ça, depuis pratiquement le mois de novembre, juillet 2021, nous avons continué à mener le combat. Avec la solidarité, solidarité à Guadeloupe, qui a continué à porter l'argent à nous, qui a continué à porter denrées à nous, qui a continué à prêter présence à là. Avec également la solidarité aux artistes, hein, parce qu'on va rappeler que tous les grands artistes à tambour Guadeloupe, Javina Sibic là, qu'on candidat, qu'on cabane, qu'on Jomimi, qu'on également en fait, unis, non seulement les Mouna Tambour, mais également des chanteurs, des chorégraphes. Donc nous avons une multitude encore une fois de solidarité. Qui capable nous effectivement, il faut reconnaître ça, il faut dire ça. C'est ça qui a fait nous debout toujours. Nous debout toujours parce que nous en entourons, nous force en entourons, nous conscience surtout en entourons nous. Et nous certains, avec toute force à ça, toute force à ça, c'est nous qui gagnons. Nous qui gagnons la main parce que nous sommes nous qui pour nous, mais nous qui gagnons, nous qui surtout pour respecter les droits malades malade là. Et singulièrement au CHU aujourd'hui là, au CHVT aujourd'hui là, c'est la catastrophe. Il n'y a pas de soigner mon encore. Il n'y a pas de prendre mon en charge encore. Mon cas mort parce qu'il n'y a pas de soin, parce qu'il refuse de soigner, parce qu'il ne paye pas soigner. Pas ni médicaments, pas ni médecins, pas ni soignants, pas ni infirmières, même manger là pas bon. Donc c'est une situation qui est dramatique. Et c'est pour ça que nous avons dit que à qui mon ça a servi tout crime là ça. Non seulement on peut être fiel, l'esprit tête à mon qui a fait des soins, médecin ou non médecin, mais on peut être fiel à malade là. Mon ne pas dit pour confiance à l'hôpital encore. Nous ne parlons pas de certitude qui est venu à l'hôpital qui est devant ce coin. Malgré nous, nous avons dit, toute compétence que les gens qui ont été sur place, qui ont continué à exercer. Mais on ne sait pas quoi faire, on travaille sous pression, sous intimidation, sous injonction. On ne peut pas bien, on ne peut pas produire des actes de soins qui n'ont sens et qui sont capables de fierté. Là, on ne peut pas garder un malade en blanc des yeux. Ça aussi, c'est un drame pour un soignant. C'est ce qui arrive aujourd'hui là. Donc c'est pour ça des expériences, des rendez-vous qu'on s'est là pour nous, une licence. Non seulement une licence pour nous qui sont suspendus, mais une licence pour le peuple guadeloupéen là. Et c'est pour ça que nous avons continué à marcher, nous avons commencé à faire un meeting. Hier soir, nous étions à Goubert, demain, nous avions fort. Tous ces jours-là, ça, jeudi prochain, nous avons allé. Nous avons continué à lever conscience à peuple là. Si ça, il n'y a pas de la priorité, terrible désespoir nous. Là, on n'a pas ni l'hôpital, on n'a pas ni transport, on n'a pas ni de l'eau, on n'a pas ni santé, on n'a pas ni l'école. Quand quelqu'un arrête nous pour faire d'autres qui mettent au bout. Vous voyez pour l'essence là, aujourd'hui là, en qui aujourd'hui là, on malheureux. Hein? On malgré on malgré là on acheté là on lit essence d'euro quelqu'un arrête pour boire pour manger pour les petits moulins repayer très tard casa évidemment est-ce qu'il est cultivé quelqu'un arrête rien c'est mais c'est en train de transformer en zombie et c'est pour ça qu'on doit combat que nous avons mené dans les hôpitaux dans les cliniques dans les établissements car c'est pas tout le handicapé c'est un combat également qui doit être normalement débouché sur le village pour
peuple là ça, pour peuple guadeloupéen là. En lien là, bien évidemment, avec le peuple d'autres pays. Hein, parce qu'il y a rappelé que Martinique, en Guyane, il y a goumé aussi. En France, il y a goumé aussi. Contre toute dictature là ça, une dictature sanitaire, une dictature politique, une dictature qui a fait en sorte que non, pas non. Il y a refusé de reconnaître l'humanité en nous. Et ça nous pas appris. Et c'est nous très fiers depuis qu'on mène le combat là en Guadeloupe. En écho à ça, d'autres nous avons fait d'autres côtés. Et nous très fiers justement que nous nous fait dire nous allons bien, un cocon de solidarité qui est extraordinaire. Encore une fois, nous ne pouvons pas arrêter de dire merci parce qu'encore une fois, Rabier dit 9 fois 100, 5 centimes, 100 fiches de paye, ou bien des fiches de paye avec moins 20, moins 50, moins 2000 euros, 9 mois comme ça, quoi, tout comprendre que mon hôpital, mon hôpital la pointe, mais également dans l'établissement. Là, on a dormi les vers son petit grève depuis 9 mois. Laissez famille, laissez madame, laissez Timouna, pour venir persister à dans un combat comme cela. Nous pensons ça que nous formons. Et c'est pour ça que nous belles et c'est pour nous fiers de s'allier. Parce que nous sommes derrière une lambédie, derrière une soleil, derrière une respect et derrière une liberté. Ah ben justement, nous t'en disons qu'il y a eu contre le cabinet président la semaine là. Ok. Et parce que quand il y a eu convient, quand il y a eu dit. Mais nous bien dit qu'on peut faire campagne pour dire qu'on sait ou quoi dénoncer la suspension des personnels soignants. Ou quoi dénoncer le fait qu'ils ne payent pas payé. Ou quoi dénoncer le fait qu'effectivement, depuis les soignants d'erreur, pas ni soins dans les hôpitaux. Donc si vous êtes politique, qui n'a pouvoir, qui n'a mandat, également qui a respecté encore une fois parole là, ou d'autres obtiennent ça sous quoi faire mandat. Et donc nous attendons, parce qu'encore une fois, non seulement nous avons des dossiers qui là, tribunal qui a bonne raison, c'est bon et petite situation, moun qui est en grève qui est suspendu, moun qui est en maladie qui est suspendu, moun qui est en accident de travail qui est suspendu. On a des situations qu'on considère qui n'est pas admissible. Sans compter le fait, régulièrement au CHU, on y a près de 400 personnes qui sont suspendues depuis le début à dispositif. Là, il y a à peu près 200 personnes qui font des procédures contre l'administration. Qui a dit quoi? Ils n'ont pas ben nous prendre des décisions de suspension. Ils ont suspendu avec effet rétroactif. C'est un acte illégal. Nous disent les députés ça. Nous disent Mélenchon, ça est venu ici. Nous a dit Losba, c'est président du conseil de surveillance. Nous disons l'osba ça, nous disons chalut ça. Et depuis 9 mois, nous avons dit même bitin là. Nous avons tout compris. La CBC vient voir nous dernièrement là. Nous vous disons encore une fois, mis un dossier, pas dit qu'on ne soit pas au courant. Parce qu'on a tout compris. Si nous avons dit là, mais nous payons un coup tout le temps, nous allons remettre coup aussi. Et c'est ça que nous avons fait. Pour le moment, conscience, en balance, en solidarité, nous allons remettre tout ce qu'on fait nous parce que ça va permettre de rester debout. Mais nous payons rester tout le temps devant l'hôpital, d'autant qu'on va rappeler que nous entrons dans une période cyclonique. Et le CHU, je ne l'ai pas paré pour prendre pour dégâts naturels. Ni la pluie, ni inondation, ni un accident majeur. Parce que pas ni monde, pas ni soins, pas ni l'hôpital, pas de l'hôpital. Alors imaginez qu'on cyclone qui a venu. Dans ces jours-là, qui a venu là. Eh bien, nous prions pour bon. Imaginez notre moment. Imaginez la souffrière qui a levé ici. Nous prions. Voilà, nous prions. Alors, c'est ça qu'on veut dire encore une fois. Là, nous avons demandé des dégâts nous. Qui ont pu dire, nous avons fermé les urgences. Pour les gens qui viennent en urgence, vous voyez, c'est les samis qui voyez, il faut téléphoner avant de venir en urgence, si vous n'avez pas de téléphone. Et même si vous avez un téléphone, si vous ne pouvez pas parler, si tout le monde a fait mal, qu'on a fait. Donc c'est ce crime-là ça, qui est en train de faire. Là, en plus, là, vous constatez, c'est des médecins qui font le serment d'Hippocrate, qui a diffusé ces informations-là, ça. Encore une fois, des informations politiques, qui a consisté à dire, je dis là, pas ni moi, il fait autrement. Nous foutons le monde dehors. Nous foutons le monde dehors, on a bien dit, hein. 9 mois, après ça, on ne pas ni monde. Et ce monde là, il n'y a pas soignant, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de compétences. On va payer également, après ça, il y a des occupités. Les gens qui sortent de l'école d'infirmière, qui sortent de l'école des soignants, même si ils n'ont pas diplômé, ils peuvent venir travailler, ils peuvent embaucher, même s'ils n'ont pas diplômé. Donc ça veut dire qu'un monde qui n'est pas diplômé, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de compétences, il n'y a plus de valeur qu'un monde qui n'est diplômé, qui n'a expérience, qui n'a compétences, parce qu'il n'est pas vacciné, il n'est pas bon. Mais c'est délire là, ça doit être là, un délire total. Donc c'est pour ça que nous avons dit, tout ça nous a dit là, tous les politiciens de Guadeloupe, qui est député, qui est sénateur, parce que là aussi, on va tout comprendre, que nous jouons les représentants guadeloupéens qui sont au Sénat. Nous avons un groupe parlementaire, les républicains qui déposent un projet de loi, qui a des abrogations à la loi là, qui met en place l'obligation vaccinale. Nous informons de ça. Nous disons qui position à par rapport à la position, par rapport à la décision que les LR prend en France. Eh bien, nous attendons qu'ils disent qu'ils ont fait. Donc, qui est au député, qui est au sénateur, qui est au maire, qui est au conseiller, qui est au président des collectivités territoriales, sont tous informés. Mais ils ont qu'à tout comprendre. Nous ne pouvons pas attendre ces positions à les politiques, nous avons les gens qui ont fonctionné. Nous avons principalement si lutte que nous avons mené, si solidarité que nous avons gagné, et si détermination nous pour non seulement assurer droit à nous, respect à droit à nous, liberté à nous,
mais également défense à métier en nous, à poste en nous, à emploi là que nous avons exercé au WAPEP Guadeloupéen là. Et c'est pour ça que nous debout.